autre première, cette fois pour le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui reçoit cet après-midi les syndicats de policiers. Bonjour Yves Lefebvre, merci d'être avec nous. Vous êtes du syndicat SGP bonjour. Police. Qu'est-ce que vous allez lui demander à votre nouveau ministre ? Alors aujourd'hui, bien évidemment, on attendait avec impatience cette première entrevue avec notre ministre de tutelle, avec Gérard Collomb. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup d'attentes sur le temps de travail, les conditions de travail des policiers. On attend aussi la concrétisation de ce qu'il nous a annoncé il y a quelques jours, à savoir la simplification de la procédure pénale, notamment en contraventionnalisation des détenteurs de résine de cannabis. Il faut qu'on aille également sur une réforme en profondeur de l'investigation, sans oublier bien évidemment le renseignement, qui est un élément, je dirais, qui est le nerf de guerre aujourd'hui contre le terrorisme. Voilà, ce sont les grandes attentes. Aujourd'hui, moi je considère que les premiers signes de Gérard Collomb et du gouvernement Macron vont dans le bon sens, notamment aussi on va attendre les annonces en matière de sécurité au quotidien pour tous, dirais-je, parce qu'il ne faudra pas déserter les centres-villes pour mettre plus de policiers dans les quartiers. Il faut qu'on puisse avoir une répartition équitable des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on attend beaucoup et j'espère que nous ne serons pas déçus de cette première entrevue. Vous allez l'interroger également pour les 20 millions d'heures supplémentaires qui n'ont toujours pas été payées, notamment dues à Vigipirate et au surcroît de travail pour les policiers. Vous savez, aujourd'hui, on estime, parce qu'on est encore au seuil de l'estimation, le ministère de l'Intérieur, on va dire l'ancien ministère de l'Intérieur, nous avait pas communiqué les chiffres à la fin de l'exercice 2016. On craint de dépasser les 24 millions d'heures supplémentaires pour l'exercice 2016, 24 millions d'heures supplémentaires essentiellement sur les épaules des gradés gardiens et adjoints de sécurité. C'est une mesure à appréhender, c'est pour ce faire qu'il faut impérativement réformer les cycles de travail pour permettre aux policiers de se reposer, permettre aux policiers de encore mieux être en capacité opérationnelle pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme, et pas que contre le terrorisme, contre aussi tous les délits de droit commun. Nous, on a beaucoup de propositions en la matière, et ne perdons pas de vue la malheureuse croissance, la dangereuse croissance aussi des suicides dans nos rangs. Cette année, on est rendu au 18e suicide parmi les gradés et gardiens. C'est énorme. On est malheureusement en droit de craindre qu'on va dépasser les tristes chiffres d'il y a une dizaine d'années. Il faut impérativement que Gérard Collomb appréhende cette problématique et qu'on lutte efficacement contre les risques psychosociaux, contre la fatigue des policiers, en aménageant leur temps de travail. Merci beaucoup Yves Lefebvre du syndicat SGP Police. Quelques minutes avant votre rencontre avec le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.